Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va extrêmement bien, tout simplement parce que voilà, ce matin j'ai reçu quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir et je vais vite vous en faire part. Alors non, ce n'est pas ce changement de la maison qui me fait extrêmement plaisir, de toute façon je l'ai dit que c'était quelque chose que j'avais reçu. Mais oui, cette maison a extrêmement changé grâce à ce petit Caris qui a lu tous vos commentaires et qui avait trouvé que la maison n'avait pas beaucoup changé. Du coup clairement il a changé mais de ouf la maison. Maintenant elle a grave changé. Alors par contre je crois que Juliette tu vas te casser un petit tapis qui était là je crois. Du coup voilà, alors franchement la maison elle a extrêmement changé. Du coup voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Dites moi en commentaire si vous avez envie de voir ça. Mais ce n'est pas tout simplement voilà le thème de cette vidéo. Simplement le thème de cette vidéo, il concerne une petite lettre que j'ai reçue dans cette boîte aux lettres ce matin, voilà. Et franchement, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Alors, quelle est cette lettre? Et bien, tout simplement, c'est une lettre du maire de cette ville. Donc, en gros, voilà, c'était une lettre de la mairie que j'ai reçue. Et en fait, le maire de notre ville, Booba, descend tout de suite de la voiture. C'est maintes et maintes fois que tu montes à l'intérieur de cette voiture, mais non, tu n'as toujours pas le permis. Du coup, tu n'as toujours pas le droit de conduire cette voiture. Du coup, en fait, voilà, c'était une petite lettre du maire dans laquelle, en fait, il m'indiquait qu'il m'invitait à la mairie pour me remettre une médaille vis-à-vis de tout ce que j'ai fait pour la ville. Effectivement, en fait, depuis que j'ai commencé les vidéos, eh bien, dans cette nouvelle ville, j'ai boosté le tourisme apparemment. Voilà, les chiffres sont là. Et du coup, bah, il voudrait me remercier pour tout ce que j'ai fait, parce que voilà, forcément, du tourisme, ça apporte énormément d'argent à une ville, et c'est très important. Du coup, voilà un petit peu le thème de cette vidéo. Caris, Booba et Juliette. Alors, j'ai compris, c'est Booba, Caris et Juliette, voilà. Tom, ma copine et Bob ne sont pas là, tout simplement. Donc, en gros, je vais me rendre à la mairie juste avec Juliette, Booba et Caris. Alors pourquoi ils ne sont pas là, c'est très simple, voilà, ma copine travaille, Tom tout simplement il est à l'école, Juliette, bon ce matin elle me disait oui j'ai un petit mal de ventre etc. Booba, je te jure, ouais, par contre Booba je te jure tu viens pas à la mairie si la prochaine fois que tu tapes quelqu'un. Du coup moi je vais te brûler. Caris toi aussi. Dernier avertissement pour vous deux. Du coup voilà, en fait, du coup elle me disait qu'elle avait mal au ventre ce matin, du coup elle est pas allée à l'école mais apparemment ça va déjà mieux. Et puis bah Caris et Booba eux ils n'ont pas école. Et puis du coup Bob lui il est chez sa nourrice. Du coup voilà. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on se rende directement dans le centre-ville, qu'on aille à la mairie pour rencontrer le maire et qu'il nous remette la médaille. Je pense que ça va être un moment émouvant, du coup j'ai très hâte de m'y rendre. Donc allez, on va monter dans la voiture et s'y rendre. D'ailleurs juste avant tout simplement de prendre la voiture, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Et franchement c'est très important de s'abonner, d'activer la cloche notification. Et tout simplement voilà, vous ne louperez plus aucune des prochaines vidéos, c'est très important. En plus voilà, c'est pas la seule chose qui se passera si tu t'abonnes, tu feras aussi partie de la team zombie. La team zombie c'est tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, du coup abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si tu veux plus de vidéos, et d'ailleurs si tu veux une suite à cette vidéo, parce qu'il y aura une suite à cette vidéo, je t'invite à mettre 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Et à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, il y aura la suite de cette vidéo, parce que vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Vous avez l'habitude avec mes vidéos. Bon allez, let's go. Alors Booba, tu sais très bien que tu vas pas conduire. Allez Juliette, descend. Allez tout le monde monte dans la voiture là. On va se rendre à la mairie. Let's go les amis. Alors ce que je vais faire, c'est comme vous le savez, comme habituellement, voilà, je vais faire une petite ellipse le temps qu'on se rende dans le centre-ville, parce qu'on est quand même très loin du centre-ville d'ici. On doit en avoir pour à peu près une demi-heure de voiture, du coup je vais pas vous filmer une demi-heure de voiture. Allez, à tout de suite. Du coup c'est bon les abonnés, on arrive enfin à la mairie. Du coup voilà, on va aller se garer sur le petit parking là à gauche. Est-ce qu'on peut aller se garer? J'ai pas l'impression. Ah mais Booba, t'es déjà descendu de la voiture. Oui, ok, bon on va passer par dessus. Non, on peut pas passer par dessus. Ok, vas-y, casse la barrière avec Booba, parce que on peut même pas l'ouvrir là, c'est quoi ce délire. Hop, c'est bon. Let's go. On va aller se garer ici. Alors je sais pas, en fait ça se trouve on n'avait pas le droit de se garer là. Ça se trouve c'est un truc réservé à la mairie en fait. Bon allez les gars. On est VIP, on est des trucs. Bon, étant donné qu'on est invité à la mairie, on va se donner l'autorisation d'être rentré sur le parking. Mais à mon avis, regardez, c'est une barrière par badge. Du coup, faut faire partie de la mairie, à mon avis. Non, c'est un code. Ah ouais, non, c'est un. Oui, il y a un code. Ah ouais. Ah ouais, bon, bah, à mon avis, on n'avait pas le droit de se garer sur le parking là, mais bon. Vas-y, je vois pas d'autre emplacement de parking pour se garer, donc. Donc voilà. Donc regardez la mairie, elle est magnifique, c'est celle-ci. Ah, franchement, c'est plutôt stylé de se rendre ici quand même. Hein. C'est vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment très content de me rendre ici. Ah, je pense que ça doit être l'agent de sécurité. C'est l'agent de sécurité de la mairie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, vous êtes monsieur. DiaboloFit 35. Oui, c'est ça exactement, j'ai rendez-vous avec le maire pour qu'il me remette la médaille. Bah je pense que vous êtes au courant du coup. Oui, oui, je suis au courant. Ok, ok. Du coup, vous pouvez me conduire oui, au maire. Je vous y remets tout de suite, oui. Venez, suivez-moi. Ok, ok, ça marche. Bon, bah allez, let's go. Oh, j'ai jamais rencontré le maire de la ville, les abonnés, ça va être plutôt un grand moment.
Ouais, let's go. Le garde, il s'habille mieux. En tout cas, j'avais jamais vu la mairie et franchement, elle est vraiment stylée. On dirait limite une université un peu à moitié, mais. Franchement, c'est grave stylé, hein. Elle est grave stylée, la mairie. Ça fait. Ouais, franchement. Ouais, elle est très moche. Elle est vraiment moche. Propre. Elle est vraiment propre. Dis donc, de toute façon, Booba, qu'est-ce que tu trouves beau, toi? Tu trouves tout moche. Bon, allez, let's go. Ouais, on arrive du coup. Voilà. Ok, donc c'est, je crois que c'est le bureau qui est là-bas. Oh, ok, les gars, on va rentrer et découvrir le maire de notre ville. C'est la première fois que ça m'arrive. Monsieur le maire, il y a monsieur Diabolofit 35. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Diabolofit 35. Ah, bonjour. Très heureux de vous recevoir. Ah, bah, moi, je suis très heureux. Je suis honoré de vous rencontrer enfin. Vous êtes le maire de notre si grande ville. C'est impressionnant. C'est votre bureau, du coup, ici? Ah, oui, oui, vous pouvez visiter. Ici, c'est ma bibliothèque. Vous pouvez vous asseoir ici. Ah, ouais. En tout cas, là, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Monsieur. Ah, bah, c'est moi qui suis honoré. Mais en tout cas, ici, je suis sûr que vous faites toutes les petites réunions politiques, là. Il doit se passer des choses ici, hein, dans ce petit salon. On parle des maisons au Paname et tout. Enfin, voilà, des histoires, hein. Ouais, je vois ça. Bon, bah, du coup, vous teniez à me remercier pour quelque chose de particulier, je pense. C'était. Grâce à vous, oui, grâce à vous, vos vidéos et votre chaîne YouTube, le tourisme de masse est revenu dans la ville. Et grâce à vous, on a pu financer beaucoup de projets. Ah, ouais, bah, je suis vraiment honoré, ça fait vraiment plaisir. Du coup, voilà, bon, c'était pour une médaille, alors, il me semble, oui, c'était oui. Ça. Oui. Attendez, prendre mon tiroir, alors là. Okay. Wouah! Oh, regardez la classe! Ah, franchement, les abonnés, je suis ému! C'est franchement trop stylé! Ça a tiré! Karis! Et Booba! Vous restez sous mes yeux là! Je vais plus vous voir faire de bêtises! En tout cas, l'agent de sécurité n'a pas bougé d'un poil! C'est où, bah? On est habitué au niveau coup de feu et tout ça, donc après. Oula! Il a fumé un peu votre agent de sécurité, j'ai l'impression, monsieur le maire. Ah, je sais pas ce qu'il consomme, hein, vous savez. faut le virer! Ah non, peut-être pas quand même, mais ouais, faudrait peut-être lui mettre un petit. C'est de la bonne! Ouais, dis donc, n'importe quoi. Allez, range ça tout de suite, le petit Booba là. Bon, du coup, ok, bon, regardez cette médaille magnifique, les abonnés. Je crois qu'il va me la remettre. Attendez. Alors, c'est de l'or pur à 99%. Wow, oh, les abonnés, je suis tellement honoré. Regardez cette magnifique médaille que j'ai. Oh, franchement, elle est trop stylée. Oh là 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 là, elle est beaucoup trop stylée. Elle est déjà plus belle que toi. Elle est beaucoup trop stylée, franchement c'est magnifique. Bah merci beaucoup monsieur le maire, franchement ça me fait vraiment plaisir. Mais de même, vous voulez que je vous montre les projets qu'on a pu financer grâce à vous? Ah bah carrément, vous avez un bouton atomique dans votre bureau? Ah ouais, c'est dangereux. Ah oui, attention, n'y touchez pas, attention. Ok. Oh, ah oui, vous êtes puissant comme maire, hein. Ah oui, mais ça rigole pas ici. En même temps, c'est vrai que vous avez une des plus grandes villes du monde, du coup. Ouais. Oh, du coup, alors, ça se tenait. On a pu construire ce bâtiment. Grâce à vous, avec des financements entièrement déclarés, attention. Ah oui, grâce au tourisme. Ah oui, c'est magnifique. C'est quoi, c'est une sorte de centre commercial, c'est ça? Moi, je suis pas capable. Ah oui, une sorte de centre commercial pour amener encore plus de touristes. Tiens, t'as vu, je suis capable, t'as vu. Wow, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce délire? Wow, c'est quoi cette alarme? Mais c'est... Juliette, t'as touché le bouton? T'as touché... Je l'ai capturé, là. Je savais pas. Ok, je crois qu'il faut se rendre dans son bunker. Monsieur le maire, on a combien de temps avant que la bombe nucléaire arrive? Une heure, je pense, à peu près. Une heure? Waouh. Ok. Ok, bon, allez, faut aller se réfugier dans notre bunker. Je pense que le maire va aller se réfugier dans son bunker perso. Nous, on a un bunker... Ok, il s'est barré direct avec son agent de sécurité. Bon, nous, faut que nous, on soit à l'endroit. Ok, ouais. Bon, ils sont partis chacun de leur côté. Pourquoi t'as fait ça, Juliette? Pourquoi t'as fait ça? Non mais attends, mais c'est pas possible. Attends, mais je suis dans un film, là, je suis dans un cauchemar. Ils ont dit qu'ils étaient pas capables. Wow, on a même pas le temps d'aller prévenir. On a même pas le temps d'aller les prévenir, il faut qu'on se rende directement au bunker. On a mis 45 minutes de route. Comment tu veux qu'on fasse un détour jusqu'à l'école? Faut que je les appelle, que je leur dise de venir le plus vite possible au bunker. Vite, montez dans la voiture. Juliette, t'as fait la pire bêtise de toute ta vie. Franchement, t'as jamais fait pire. Bon, les abonnés, on se retrouve rapidement. Je vais rouler, je pense, là, j'ai pas respecté les limitations de vitesse. Mais je savais pas. Parce que je vais envoyer des messages à Tom, Léa, ainsi que Bob. Enfin, faut que je leur envoie des messages. Parce que faut qu'on y aille directement au bunker de la maison. On a notre bunker, c'est un bunker antinucléaire. On peut peut-être survivre à l'intérieur de ce bunker, mais il faut qu'on se dépêche. Non, mais là, franchement, c'est la plus grosse bêtise que Juliette a jamais faite auparavant. C'est abusé. On se retrouve à la maison, les abonnés. C'est bon, du coup, les abonnés, on arrive. Alors là, on entend moins l'alarme nucléaire, tout simplement, dans la ville. Alors, après, ce que je trouve bizarre et ce dont on a réfléchi pendant le voyage, c'est pourquoi le maire, il a un bouton, genre, de bombe nucléaire pour sa propre ville, quoi.
What the fuck? C'est vraiment chelou. C'est bizarre. Il y a des trucs bizarres, mais en tout cas, le truc c'est que l'alarme est toujours là, on entend toujours l'alarme nucléaire. Ok, je vais voir, est-ce que Léa est tout? Parce que je leur ai envoyé un message, ils m'ont répondu qu'ils se dépêchaient d'aller à la maison, mais est-ce que vous êtes là, Léa? Tom, Bob? J'ai l'impression qu'il y a personne, hein, putain. Bon, en tout cas, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, j'aurais dit, de toute façon, je leur ai envoyé un message, qu'il fallait qu'ils aillent directement dans le bunker. Du coup, nous, on va se rendre directement dans le bunker au plus vite, et on va attendre dans le bunker, et j'espère qu'ils vont arriver, tout simplement, parce que s'ils arrivent pas, clairement, là, ce qui se passe, c'est très, très, très grave, les abonnés, c'est très, très, très grave, on n'a jamais connu ça. Tiens, il y a une piscine qui s'est ajoutée ici. De toute façon, vu ce qui va tomber, à mon avis, ok, vous êtes déjà ouvert. Il reste que 10 minutes. Ok, let's go. Ouais, il reste que 10 minutes. Il reste que 10 minutes, les abonnés. Il reste 10 minutes. Ok, abonné, n'importe quoi. Allumé. Allumé. Ok, bon. Écoutez, ici. Laisse revenir, Luba. Les abonnés, ce qui va se passer là maintenant, c'est que là, on est dans le bunker. Alors, normalement, on est dans un bunker qui est anti-nucléaire. Maintenant, je suis même pas sûr que ce bunker résiste à une bombe nucléaire, voilà, on le sait pas vraiment, tu vois oui. Ce que je veux dire. Après, étant donné que la bombe nucléaire devrait tomber, je pense, plus dans le centre-ville qu'ici, on est quand même assez loin du centre-ville. On devrait peut-être être épargné. Notre bunker, en plus, voilà, on a la chance d'avoir un bunker nucléaire et voilà, je pense qu'on va peut-être pas prendre cher. Par contre, on a mis une télé dans notre bunker anti-nucléaire, sachant que la télé, à mon avis, il n'y aura plus de télé, hein. Bon, on a pas mal de conserves, voilà, on a du cassoulet, on a pas mal de trucs pour tenir au moins un mois. Maintenant, voilà, ce qui va se passer, c'est que, tout simplement, j'espère juste que Léa, Tom, ainsi que Bob vont arriver. Ouais. Ok, c'est bon, Caris, t'as posé un petit chauffage, très bonne idée, parce qu'effectivement, à mon avis, il va faire froid. Enfin, quoi qu'en soit, c'est l'été, là, hein, c'est l'été, donc à mon avis, il va pas faire si froid que ça, mais vu qu'on est un peu sous terre, voilà, c'est comme dans les grottes, vous savez, dans les grottes, même si c'est l'été, il fait extrêmement froid parce qu'on est un peu sous terre. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de système pour réchauffer un peu le bunker. Enfin bref, les abonnés, tout simplement, dans la prochaine vidéo, vous verrez si Tom, Léa ainsi que Bob réussiront à nous rejoindre dans ce bunker. S'ils arrivent, et bien tout simplement, notre famille sera épargnée. S'ils n'y arrivent pas, il va y avoir des morts et voilà, je préfère même pas y penser, donc voilà. La suite dans le prochain épisode pour 10 000 pouces bleus, donc voilà, s'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, il y aura l'épisode suivant, donc voilà, je compte sur vous les abonnés. Allez, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment voilà la suite de celle-ci. C'était Koum, ainsi que Invisible Man et Prophétie qui ont joué dans cette vidéo. Il y a eu Slizer aussi, donc vous pouvez retrouver toute leur chaîne en description. Vous allez vous abonner fort parce que voilà, ils font du Minecraft et tout. Bref, on se retrouve la prochaine vidéo pour la suite de celle-ci.